Depuis l'arrivée de Bruno Boucher à la tête du ballet de l'Opéra National du Rhin, un vent de fraîcheur souffle sur le répertoire de cette troupe. Depuis sa création en 1972, le ballet de l'Opéra National du Rhin a vu se succéder de nombreux directeurs artistiques. Jean Babilet, Peter Van Dyck, Bertrand Datt, Ivan Cavallari et Bruno Boucher. En 1985, le ballet a reçu le label de Centre chorégraphique national. Installée à Mulhouse, la compagnie compte aujourd'hui une trentaine de danseurs permanents venus des quatre coins du monde. Tous disposent d'une solide formation académique et sont capables d'interpréter les partitions chorégraphiques les plus exigeantes du répertoire. Ancien danseur de l'Opéra National de Paris, Bruno Boucher développe un projet ambitieux pour la troupe. Dans la lignée de Bertrand Datt, il souhaite constituer un répertoire de ballet du XXIe siècle et amener ses danseurs sur des territoires plus actuels et variés. Parmi les chorégraphes qu'il a inscrits au répertoire du ballet, on compte William Forsythe, Oan Narine, mais aussi des artistes moins connus en France comme l'Israélien Gilles Carlos Arouche ou l'Allemand Mario Schröder. Grâce à sa position géographique, le ballet de l'Opéra National du Rhin est un pôle artistique de première importance que Bruno Boucher entend bien faire rayonner à l'échelle européenne.